like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals and no back to the tongue. C'est le rêve de tous les joueurs, ils y sont, c'est l'heure, ça y est, de la finale. Dans quelques instants, l'Argentine affrontera la France. C'est le match que la terre entière regarde. Salut à toutes et à tous, c'est la finale de la Coupe du Monde ici au Lusail Stadium. Une chose est sûre, ça va être grandiose, l'Argentine affronte la France. Les vrais marins ne sont jamais aussi forts que dans les grandes tempêtes. Une finale de Coupe du Monde, c'est une tempête parfaite. Il faut du cœur, du courage et de la conviction pour vaincre les éléments déchaînés. Christian Romero, numéro 19. Voici les titulaires pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi avec Cristiano Romero au centre de la défense. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Kylian Mbappé jouera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. Et oui, c'est parti, c'est un grand moment. Et c'est le coup d'envoi de la finale du Mondial. Messi. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Le ballon pour Kylian Mbappé. Julian Alvarez. Le ballon transmis à Rabiot. À grosse pression, ballon perdu. Orientation vers Rodrigo De Paul. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Un ballon renvoyé, l'action continue. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Léo Messi sur une pelouse, c'est évidemment toujours un événement et on va surveiller sa performance de très près. Sa caractéristique principale, c'est son habileté technique. Cette capacité à dribbler n'importe quel adversaire dans n'importe quel espace. C'est une sorte d'équilibriste de football, capable de résoudre tous les problèmes avec un dribble, une feinte. Kylian Mbappé. Et il remporte son duel, bien défendu. Rodrigo De Paul. Allez, il y a de la place sur ce côté. Et ça joue avec Messi. Ça continue avec De Paul. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Et Hugo Lloris pour ce sauvetage.
le corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Mbappé. Excellent timing sur cette interception. Nahuel Molina. Le ballon pour Rodrigo De Paul. Et ça joue avec Messi. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Rodrigo De Paul. Molina. Ça sort en touche. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et ça joue avec Messi. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Giroud. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Julian Alvarez. Pour McAllister. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Ousmane Dembélé. Griezmann. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention Giroud. Et oui, voilà les Bleus. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. 1-0 donc au tableau d'affichage. Pour McAllister. Un bon appel le long de la ligne de touche. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et pourquoi pas, de loin. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. Ah non, ça va pas, ce dribble. Et du coup, ça sort. Les stats nous montrent que la possession n'est pas pour les Bleus. Mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Et on le voit bien, leur objectif, ce n'est clairement pas la possession. Très bonne intervention. L'arbitre laisse l'avantage. Enzo Fernandez. Julian Alvarez. Et bien joué, le plongeon du Goloris. Eh oui, c'est joué en deux temps. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Théo Hernandez. Enzo Fernandez. Le ballon en touche. Théo Hernandez. Ballon pour Olivier Giroud.
Kylian Mbappé. Avec Rabiot maintenant, il peut tenter sa chance. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Et voilà, c'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Et ça y est, c'est parti, le moment tant attendu, c'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est reparti, le deuxième acte de cette finale de Coupe du Monde. Et ça joue avec Messi. Attention pour égaliser. Ouais, c'est un ballon pour les gants du gardien. Tchouaméni. À nouveau pour Ousmane Dembélé. Mbappé peut-être pour reprendre. Un centre bien détourné par la défense. Léo Messi. Pour McAllister. McAllister. Julian Alvarez. Le ballon sort en 6 mètres. Et changement là côté argentin. Rabiot. Ballon pour Olivier Giroud. Le ballon pour Koundé. Excellente la vision du jeu. Interception en pleine surface de réparation. Et une occasion de contre à négocier. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Oh, ballon dangereux de Griezmann. Et Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il va tenter là? Excellente intervention. Paul. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Julian Alvarez. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Benjamin Pavard. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Oh, le but du break. Deux buts d'écart. C'est peut-être un grand pas vers le titre. Frappe surpuissante. On le revoit sur ces images, et quelque part on se dit que c'est mieux hein, que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ah non, c'est rendu directement. Et Di Maria là qui a vu son coéquipier. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Et quel arrêt sur ce ballon, le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Dembélé. Il n'y a aucune pression et pourtant le dribble n'est pas réussi. Et changement pour l'Argentine.
Olivier Giroud. Ballon pour Ousmane Dembélé. Avec Kylian Mbappé. Ah, il faut tirer là. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance. Rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Avec Kylian Mbappé. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Ah, le ballon est contré. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et le carton jaune reste dans la poche de l'arbitre sur cette séquence. C'est plutôt ce qu'on appelle la stratégie de la pédagogie qui semble privilégiée. Il va falloir se tenir à garde maintenant. Le ballon pour Di Maria. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Eh oui, il s'est réussi, il est passé. Eh oui, la faute, évidemment, et elle vient couper l'attaque. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Messi pour le centre. Point de la tête et c'est dedans. Bien joué, le timing est réussi. La reprise également et c'est au fond des filets. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. On traite Di Maria. Di Maria reçoit le ballon. Et peut-être le but pour revenir. Et Varane qui contre. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Le corner de Messi, l'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et le danger est éloigné.
Il y a un contre possible à jouer là. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Di Maria reçoit le ballon. Et du mouvement pour aller porter le danger. Ouais, Loris là qui se détend pour repousser ce ballon. Et le remplacement peut avoir lieu. Ouais, le ballon sort, c'est donc un corner pour l'Argentine. Et ce corner est dégagé par la défense. Julian Alvarez. Oh, l'occasion de revenir. Ouais, bonne intervention du gardien. Messi, c'est parti. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Julian Alvarez, le poteau, la balle revient en jeu. Ouais, ça n'ira pas plus loin. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, donc pénalty. 4 minutes minimum de temps additionnel. Il y a une interception là, et c'est une perte de balle de l'Argentine. La défense est battue. Et c'est le but, encore un. À nouveau, le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Ça fait donc 4-1. C'est terminé. Champions du monde, ils sont, oui, champions du monde. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Et il a eu les doutes, il a eu les interrogations, il a eu parfois des déceptions. Mais aujourd'hui, c'est la libération. C'est le plus beau titre de leur carrière. C'est le moment d'une vie, ça. C'est plus qu'une libération. C'est une extase footballistique, une jubilation existentielle. Il n'y a que la Coupe du Monde pour nous faire vivre cette fusion émotionnelle. Elle est là, la Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. Dans le sport collectif, il n'a rien au-dessus d'un mondial de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde, c'est officiel, ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on le célèbre. Ça continue avec De Paul. Et Hugo Lloris pour ce sauvetage. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention Giroud. Et oui, voilà les Bleus. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Enzo Fernandez. Et bien joué, le plongeon d'Hugo Lloris. Julian Alvarez. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore. Olivier Giroud, Kylian Mbappé. Olivier Giroud.
Ballon pour Ousmane Dembélé. Avec Kylian Mbappé. Ah, il faut tirer là. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance. Rien. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Dedans, bien joué, le timing est réussi, la reprise également, et c'est au fond des filets. Ouais, Loris là qui se détend pour repousser ce ballon. Ouh, l'occasion de revenir. Ouais, bonne intervention du gardien. La défense est battue. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue et se marque.